Le GGSN est une passerelle, Gateway GPRS Support Node. Elle ne change pas au cours des déplacements, puisque c'est le point d'interconnexion entre le réseau GPRS et le réseau extérieur. Donc c'est faux. En revanche, au cours des déplacements d'un terminal, le SGSN peut changer. Un SGSN va couvrir typiquement une région, voire plusieurs régions. Donc il y a peu de changements de SGSN, mais cela peut arriver. GPRS peut transporter n'importe quel type de protocole, mais le protocole utilisé pour les dialogues entre le SGSN et le GGSN au niveau réseau, niveau 3, c'est IP. Donc la deuxième affirmation est fausse. GPRS a nécessité la mise à jour logicielle des BTS et des BSC, donc des stations de base, mais le principe était de faire tout en conservant les stations de base existantes. Donc, c'est faux.